Salut YouTube! Aujourd'hui, on va faire une petite incursion dans des bons vieux jeux classiques, disons plus modernes tout de même, puisqu'on va parler de Pinball. Un beau jeu que je suis allé chercher il n'y a pas si longtemps, c'est Star Wars Pinball VR. Un jeu de pinball, évidemment, mais avec la thématique de Star Wars. Et il y a quelques tables à visiter, et je vous en ai fait une petite démo pour vous montrer de quoi ça a l'air. J'espère juste... je ne sais pas si Star Wars, c'est comme Walt Disney, mais Walt Disney est très sévère sur les copyrights. Alors j'espère juste qu'à cause de la musique de fond qu'il y a dans le jeu, on coupera pas le son de ma vidéo, on la bloquera pas. C'est à voir. Alors, on y va immédiatement. Bon, on va maintenant regarder un petit peu Star Wars Pinball. Si vous avez suivi ma première vidéo, vous avez sûrement remarqué, voyons donc, c'était pas supposé d'être la première vidéo. Oui, à mes tout débuts, quand j'ai réalisé les deux vidéos dans la même semaine, et mon intention première était de montrer Star Wars. Pinball... FX2, c'est juste trois tables, j'ai vite passé au travers. Alors que le Pinball Star Wars, lui, c'est quand même une bonne dizaine de tables, ce qui m'occasionne une vidéo beaucoup plus longue et qui m'a donné quelques complications, car lors de l'édition, alors que je parle au micro, il a fallu que je recommence une couple de fois. Bon, c'est tout de même, faut bien dire aussi que j'avais essayé pour la première fois en faisant des saisies dans le casque de réalité virtuelle avec Star Wars pour réaliser que, ah, c'est ça la subtilité, si je dois en parler brièvement. Je me disais, oui, c'est plus intéressant pour moi de faire des vidéos en 9.6 en landscape, mais finalement, pour réaliser que, oui... Pour vous donner une idée, c'est qu'au tout début, quand on fait des saisies dans le casque d'écoute Quest, ça fait la saisie automatiquement de l'œil gauche ou droit, selon sa sélection dans les settings, en version carrée. Faut ramener en 16:9 par la suite. Je me disais, oui, mais ça va pas faire un genre de compression ou de distorsion de l'image, mais hein, que ça m'en fait une distorsion. J'ai réalisé que toutes les séquences que j'avais faites, et ça m'a pris un certain temps, on voyait pas les petits flippers en bas. Donc, pour parler d'un jeu, disons que de ne pas voir ce détail, ça compte beaucoup. C'est pourquoi je me suis décidé à refaire complètement les prises de vue et refaire aussi les commentaires. Et alors même que je faisais cette saisie au micro où ça allait bien, j'avais peut-être un quart des séquences de fait et de parler que le programme m'a gelé carrément dans la face. Et encore, il faut que je recommence tout, c'est dur la vie. Mais bon, c'est pas grave. C'est une vidéo quand même de 47 minutes. Alors, je me reprends et je vais faire des sauvegardes un peu plus souvent entre-temps parce qu'on sait jamais l'édition vidéo. J'ai beau avoir une machine quand même assez puissante. On se rend compte que mon petit logiciel de AVS me fait parfois des petits caprices. Mais bref, revenons donc à l'actualité, c'est-à-dire les jeux que je critique en ce moment, les jeux de pinballs. Donc, pendant mon petit laïus d'introduction, on a pu constater tout de même dans le visuel que je vous présentais la pièce où se trouve la seule et unique table où on fait toutes ces sélections. Oui, il y a juste une table, mais quand même, cette table dans les sélections comporte une dizaine de tables, alors que quand je vous ai fait la démonstration avec Pinball FX2, on parle juste de trois tables. Donc, pas étonnant que ma vidéo soit beaucoup plus longue avec celle-ci. Et c'est sans compter que, en premier temps, j'avais tout d'abord commencé avec la version Star Wars pour réaliser que, ensuite, quand j'ai fait la deuxième vidéo que j'ai mis online, d'ailleurs la semaine passée, je me suis dit. Peut-être que t'as pas été tout à fait juste dans ta critique. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, que je donnais 7 pour l'étape de Star Wars, alors que je donnais 8.5 ou 9 pour le Pinball FX2.
C'est à cause d'une fausse perception que j'ai pu remettre en cause en reprenant donc ces idées d'écran pour la version Star Wars, parce que oui, je me suis laissé un petit peu emporter sur les décorums avec des personnages alentour de la table qui ont un côté pas tout à fait humain. J'attendrai d'être rendu au personnage de Luke Skywalker pour vous montrer ce que je veux dire et vous allez vous rendre compte vous aussi que c'est pas exagéré comme réaction, mais d'avoir eu à reprendre à cause de petits problèmes cette vidéo totalement, n'empêche que je me suis rendu compte que non, j'ai été injuste parce que les détails dans la table de Star Wars sont beaucoup, beaucoup plus détaillés que dans le Pinball FX2. Soit dit en passant, quand je parle de détails, regardez un peu au niveau de cette table. C'est très chargé. C'est superbe et à mesure qu'on évolue, il y a plein de petites actions, de petites surprises à aller chercher. Et comme je vous ai mentionné dans la semaine passée dans ma vidéo, moi, je me considère comme un joueur néophyte avant tout au niveau du pinball. Malgré une certaine expérience avec le temps, parce que après tout, des pinballs, c'est rien de nouveau, là, ça n'existait. On parle des vrais pinballs, c'est-tu apparu dans les années 60? Je pense pas que ça existait nécessairement dans les années 50, mais dans les années 60, je le sais que c'était là. Il y a certains films rétro rock'n'roll que j'ai pu voir dans les années 70. J'étais peut-être un peu trop petit pour jouer à ça. Dans les années 80, alors qu'il y avait encore beaucoup de pinball dans les arcades, moi je me disais pourquoi investir des 25 sous là-dedans alors que je peux avoir ces jeux-là sur mon micro-ordinateur. Bon, vous allez dire que c'est pas la même chose, mais on s'en fout. Donc oui, j'ai eu ça quand même, comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai eu ça sur mes premiers micro-ordinateurs. Bon, peut-être pas les tout premiers, mais mon Dieu, j'ai eu ça sur Amiga, sur ST, sur le PC bien sûr. Ensuite, c'est apparu sur mon iPod Touch, mon téléphone cellulaire. C'était plus intéressant parce que plus grand, sur le iPad bien sûr. C'est des jeux auxquels j'ai joué épisodiquement, même si je les avais toujours à la portée de la main. Et ensuite, bon, il y a eu peut-être avec le temps comme un certain pas de lassitude, mais j'ai mis de côté. Et avec la réalité virtuelle, justement pendant les fêtes, j'ai été acheter ces deux versions pour découvrir un nouvel intérêt renouvelé, parce que d'avoir la machine grandeur nature devant toi en trois dimensions, c'est beaucoup plus intéressant. Et je dois avouer qu'on a mis le paquet quand même pour satisfaire la clientèle. Encore là, cette table, regardez, c'est magnifique. On se demande même si ça peut exister dans la réalité, une pareille table. Regardez, il y a tellement de petits détails qui changent à mesure que la partie évolue. Comme je vous disais, moi, en tant que joueur épisodique, je pense que je peux vous donner une idée en ayant joué une partie de chaque table pour faire mes commentaires comme ça sur chaque partie. Ça peut vous donner l'idée si ça vaut la peine d'acheter le jeu, rien qu'en regardant ce qui se passe ici à l'écran, ou sinon de remettre pour de l'argent pour d'autres choses. N'empêche que je me suis quand même amusé à faire cette vidéo-là. On va en parler pendant un petit moment, puisqu'on parle ici d'une vidéo de 47 minutes après tout. Si vous restez avec moi tout ce temps-là, ben, je vous en remercie. Je vais faire tout pour être intéressant dans mes commentaires et tout en vous montrant justement l'évolution de mes parties. Le fait de recommencer justement et d'avoir aucune préparation, de simplement emboutir une à la suite de l'autre mes séquences et d'improviser comme ça un blabla pour vous expliquer, je vous avoue que c'est un peu mélangeant là, puisque j'avais un quart du vidéo, mon Dieu, j'en ai-tu déjà parlé de ça, je m'apprêtais à le faire, mais ça devrait bien se passer, faites-vous en pas.
Donc, encore là, c'est une table ici que je trouve superbe. C'est pas le cas pour toutes les tables. Si je me trompe pas, la troisième qui enchaîne, je la trouve, on y arrive justement, je la trouve un petit peu moins intéressante au niveau du visuel. Ah oui, c'est bien celle-là. Regardez, là, c'est juste des visages, des héros et... Oui, celle-là d'ailleurs, la partie s'est déroulée un certain temps. Ah, vous voyez la main bleue qui apparaît là, puisque je dois vous expliquer ce que c'est. C'est à chaque fois que la balle est perdue et que je dois relancer la balle, ben mes deux mains virtuelles se retrouvent un peu dans le vide comme ça. C'est un bug qui pourrait être amélioré, corrigé dans une prochaine version. C'est un détail, c'était juste pour vous mentionner pourquoi de temps à autre vous voyez apparaître une main. Quand je vous parlais d'apparence des personnages qui m'ont un petit peu influencé à donner une mauvaise note un peu plus alors que je faisais la critique de Star Wars. Regardez-moi ça, ce personnage-là. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il livre bien l'émotion? C'est un personnage intense, maléfique, du côté sombre de la force. Alors que quand j'en vois sa représentation sur le jeu vidéo, j'ai l'impression tout bêtement de voir, disons, une statue de cire ou peut-être une animation animatronics un peu cheap. Ça serait quelque chose qui pourrait être grandement amélioré si on faisait un correctif afin d'améliorer, de rendre au jeu plus de visuels intéressants avec la performance plus poussée du Quest 3 par rapport au Quest 2. Et parlons donc un petit peu du soundtrack qu'on peut entendre actuellement derrière dans le jeu vidéo. C'est une bonne chose d'avoir mis la musique originale des films de Star Wars, même si ça me fait craindre un petit peu que YouTube dise « tu utilises des copyrights, c'est pas correct ça ». Quoique dans les jeux vidéo, j'ai vu plusieurs gamers mettre des extraits de vidéos de n'importe quel jeu où ça semble pas être un problème. C'est pourquoi je garde bon espoir qu'il y aura pas de problème dans le déroulement de ma vidéo. Mais vous avez pu voir d'ailleurs au tout début dans la séquence où je tourne un peu dans la pièce qui a un jukebox et à mesure que se déroulent les parties, je gagne des bonus. Ça peut être souvent des musiques pour le jukebox, tous des extraits des soundtracks de Star Wars et sinon des posters, des masques, des têtes, etc., etc., afin d'améliorer un petit peu le décorum. Un petit peu comme des trophées pour avoir bien joué. D'ailleurs, vous remarquerez que à la fin de quelques parties, j'ai rapporté un ou deux de ces bonus pour vous montrer que j'ai pas tellement joué quand même à ces jeux-là, mais d'avoir repris par deux fois toutes les séquences afin de vous donner un visuel intéressant. Je me suis quand même déjà amélioré en si peu de temps, ce qui fait que si je me donnais la peine, je pourrais devenir un joueur plus aguerri. Mais moi, comme vous le savez, j'ai plus une prédilection pour les jeux de beat, de musique. Mais c'est toujours bon de décrocher un petit peu pour revenir à ces bons vieux classiques que sont les pinballs. Et voilà donc qu'on a presque terminé la troisième table. Donc, comme vous voyez, cette troisième table-là, c'est quand même un beau visuel, mais d'avoir juste mis des faces, je la trouve moyenne comparée aux autres qui offrent plus des détails intéressants, comme la deuxième d'avant où il y avait comme un genre de carousel où on voyait les vaisseaux spatiaux tourner. Ça, c'est le genre de détail qui me fait dire qu'il faut bien être dans la réalité virtuelle. Je crois pas qu'il y ait des tables qui soient aussi sophistiquées, à moins que ce soit
des tables de collection en version limitée. Ça coûterait une fortune à produire, j'en doute forcément. Tiens, quand je vous parlais de... Voyons donc, ça n'a aucune émotion, ce personnage-là. Ça l'amène quand même un beau... comment dire, une belle atmosphère alentour de la table. C'est ce qui a faussé mon jugement, d'ailleurs. J'ai trop focusé parce que dans Pinball VR2, je dois avouer que les animations autour de la table sont plus sympathiques, mieux travaillées, un peu graphiques, jeux vidéo moyens, mais plus intéressants. Alors que vous voyez, comme sur cette table ici, les détails, c'est peaufiné, il y en a beaucoup. Et comme je vous disais, en tant que joueur néophyte, je pense que tout ce que j'arrive à vous montrer, malgré la longueur de la vidéo, c'est une toute petite partie de tous les détails que chaque table peut révéler. Vous allez mieux le voir peut-être dans la prochaine table où j'ai été surpris de jouer quand même une assez longue partie pour quelqu'un que j'ai étudié aussi une couple de fois. La partie dure à peu près 9 minutes. Alors je m'en tire quand même pas trop mal. C'est qu'à force de pratiquer, on s'améliore comme dans n'importe quoi. I need to be ready to take off or none of us stands a chance. C'est une autre option qu'on pourrait réaliser, c'est de rendre ces pinballs dans la réalité mixte, même si ça demanderait tout de même un certain effort au niveau des développeurs, parce que si en réalité virtuelle, tout se passe alors qu'on tient devant la table, il faudrait faire disparaître le décorum alentour, ça c'est rien, mais il faudrait restructurer un peu le visuel des tables pour qu'on puisse les voir de côté, de par derrière, tout en gardant l'aspect réaliste et en respectant des proportions telles une vraie machine à boules dans notre réalité, dans notre décorum, ce qui pourrait être une très belle réalisation au niveau de la réalité mixte, parce que pour avoir essayé quelques jeux en réalité mixte, si je pense par exemple à Saint Rider, je dois vous avouer que quand j'ai testé après le update, quand c'est venu en réalité mixte, j'ai dit « no way ». Aussitôt avoir essayé après 2 minutes, je suis revenu en mode normal, c'est-à-dire puisqu'on se donne la peine de faire un si beau décorum et de nous inclure dans un beau monde virtuel. Pourquoi j'aurais le goût de jouer aux jeux vidéo et de faire un compromis en me contentant de voir les murs que je vois tous les jours dans mon salon? C'est pour ça que le côté réalité mixte, pour ce jeu du moins, j'ai décroché. Si le jeu est fait et pensé pour un mode de réalité mixte, oui, j'embarque. Et les tables de pinball, ça pourrait être une très belle réalisation. D'ailleurs, j'ai juste à penser au fait que pour avoir testé une table de pool grandeur nature en réalité mixte, j'ai vraiment l'impression d'avoir une table dans mon salon. Je fais même le tour pour aller jouer. Ça a quand même ses limites comparé à une vraie table, parce que quand j'arrive pour m'appuyer sur la table pour viser avec la queue de billard, ben là, je décroche. Il n'y en a pas de point de contact. Je me rends bien compte que je suis dans une réalité mixte et que c'est le seul détail. Sinon, vraiment, on a l'impression à 100% qu'il y a une table réelle dans le salon. Nous y voilà donc à cette partie sur cette table où je fais quand même 9 minutes, ce qui m'est jamais arrivé alors que je joue à un jeu de réalité virtuelle. La table, encore là, est vraiment très belle, une réalisation sobre, avec plusieurs détails intéressants. Sauf que chaque fois que je vois le personnage avec sa cape blanche embarquée, avec son petit air bête... On pense, c'est pas convaincant. Encore là, je reviens à cette comparaison avec des personnages de musée de cire ou d'animatronics.
le jeu de pinball Star Wars, tout comme le Star Wars Pinball FX2, offre quand même souvent des rabais lors des grosses fêtes, comme j'ai eu ce jeu pour beaucoup moins cher. Est-ce que c'était 30 ou 40%, il me semble, au moins de réduction? Ça peut valoir la peine d'attendre. En recommençant pour une deuxième fois toutes mes éditions, mes saisies d'écran, c'est ça qui m'a fait revenir au fait que ce jeu offre beaucoup de détails intéressants, comme ces personnages qui vont se promener directement sur la table de pinball, ou encore des vaisseaux, puis des sabres laser qui participent à l'action avec la balle. Et dans cette table, comme vous pouvez voir, on a quand même beaucoup de détails, puisque ma partie dure 9 minutes, j'ai pu en décrocher quelques-uns. Entre autres, ce genre de gros trou noir qui nous amène à... Je ne sais pas si j'aurais été plus loin, parce que, évidemment, il y a des étapes à réaliser pour obtenir ces bonus-là. Et comme je joue pas tellement, je suis pas en mesure. Et quand tu perds la balle, on recommence, ce qui est presque frustrant. Mais on voit quand même qu'il y a un développement assez impressionnant, je le répète encore. Et comme vous allez vous en rendre compte d'ailleurs à mesure que ma vidéo évolue, pour un jeu qui est à peine, même pas deux dizaines de dollars, si j'ai bien bonne mémoire à propos. J'ai acheté beaucoup de jeux pendant les fêtes, mais vraiment, ça vaut la peine. C'est pas cher, et puis il y a de quoi maintenir votre intérêt pour un assez bon long moment. C'est comme d'ailleurs, vous voyez, il y a un grand trou qui s'est ouvert en arrière. Il y a comme un bonhomme ici qui semble le protéger, que je dois atteindre avec la balle en visant sur la cible. J'essaie à plusieurs reprises. J'envoie souvent la balle dans le trou. Parfois, je touche le personnage. Et quand je perds la balle, malheureusement, le trou va se refermer et c'est tout à recommencer. C'est la persévérance qui permet justement aux joueurs assidus de pouvoir aller plus loin dans l'action et d'avoir de bonnes surprises, j'en suis persuadé. Je me demande bien ce qui serait passé si j'aurais eu réussi. C'est peut-être un peu de ma faute, je suis trop concentré sur la balle alors qu'il y a plein de messages qui passent sur le panneau au bout du pinball et qui doivent sûrement me donner des indices sur les prochaines étapes que je dois réaliser. Bon, j'avoue que j'en ai lu quelques-unes au passage, mais moi, en bon enfant, tout ce que je me contente à faire, c'est de faire rebondir la balle et essayer de durer le plus longtemps possible, ce qui n'est pas très stratégique. Mais bon, jugez-moi pas, je suis juste là pour m'amuser, après tout. Je le sais que je passe à côté de quelque chose. On manque malheureusement de temps pour faire tout ce qu'on voudrait faire, et comme je passe beaucoup de temps dans d'autres jeux, je garde un aspect limité pour ce type de jeu. Mais je suis content au moins d'avoir réussi cette partie qui dure un bon, même plus que 9 minutes. Ça montre juste que si je me donnais un petit peu plus de discipline pour celui-là en particulier, je serais peut-être capable d'aller loin, capable d'aller assez loin quand même malgré tout. C'est comme ce genre de moyen de déplacement dans le premier Star Wars où, qu'on a pu voir sortir du plancher et qui maintenant y est retourné.
Vous avoue que j'ai quoi? J'ai essayé cette table-là peut-être 4 fois, 5 fois maximum, gros max. J'avais jamais atteint un niveau avec assez de temps et de réussite pour le faire sortir à ma grande surprise. Et c'est parce que j'ai aucune idée. Est-ce que j'ai exploité 10% de la table? Peut-être moins. Je suis persuadé qu'il y a plein d'autres surprises à aller chercher et que quelqu'un qui joue énormément, peut-être avec une seule partie, peut la prolonger beaucoup plus longtemps que mes 9 minutes. Tout comme c'était dans la vraie vie où les quelques fois j'ai essayé un vrai pinball, j'étais juste déçu de voir que mes parties duraient à peine plus que 2 minutes. Peut-être assez cher quand même pour une soirée, mais de toute façon, j'ai jamais été vraiment plus arcade que ça. Moi, ce qui m'accrochait, c'est les micro-ordinateurs où je pouvais plus créer, développer en basic, jouer à des jeux quelconques, etc., etc. Mais éloignons-nous pas. Ça, c'est le petit côté geek qui parle. Aujourd'hui, je touche plus du tout à la programmation, mais par contre, la réalité virtuelle m'a relancé dans un enthousiasme envers la réalité digitale comme jamais atteint auparavant. Parce que quand on regarde ce que la porte des tables comme ça, on devine un peu mal quand on voit une représentation en 2D. Moi, la réalité virtuelle, c'est me ramener à mes rêves d'enfance ou d'adolescence quand je voyais des films de science-fiction en disant « Maudit que j'aimerais ça, vivre ça un jour ». Mais avec la réalité virtuelle, je le vis un petit peu plus d'une certaine manière et je me dis que dans les prochaines décennies, ça va aller en s'accélérant de plus en plus. Et Dieu sait d'ailleurs ce que la réalité virtuelle va être dans 10 ans. Je suis persuadé que je m'en vais moins à attendre pour voir une version en réalité mix de table de pinball comme ça, peut-être celle-là même ou d'autres. Nous y voilà donc. Est-ce que vous vous souvenez qu'au début de ma vidéo, je vous ai parlé de l'apparence épouvantable du personnage de Luke Skywalker? Regardez-moi ça! Ça a l'air d'une parodie de ce qu'est le personnage. Je pense que l'acteur, même si on faisait sa statue de cire pour lui rendre hommage, je pense qu'il serait moyennement insulté. Aussi, quand on va le revoir, regardez les mains! C'est mal travaillé, là! Pour connaître un peu comment on développe des animations en 3 dimensions. La texture, c'est pas des mains, ça. On voit juste comme plusieurs, au niveau des articulations, il y a comme des globes, des petits globes, c'est des mains de robot. Bon, vous allez dire que Luke s'est fait couper la main par son méchant papa dans le quatrième. Alors, non, n'empêche que, d'ailleurs, vous allez voir, on le revoit plus loin dans un autre épisode où on a fait des mains d'une qualité un petit peu meilleure. Mais ça, la face et les mains, c'est une sérieuse amélioration à corriger si vous faites un update pour le Quest 3 afin d'offrir, d'ailleurs, une meilleure résolution. Par contre, ces détails-là étant dit, je dois admettre que la table ici présente est très belle, très bien réalisée. Au moins de ça, le principal demeure superbe, mais le décorum prend tellement d'importance que ça finit par nous faire oublier le principal. C'est ce qui fait que j'avais été peut-être un peu trop sévère sur le visuel et l'animation de la table elle-même en la comparant avec Pinball FX2. Maintenant, on peut dire que le correctif est effectué. Je vais pouvoir dormir avec une conscience plus tranquille. D'ailleurs, est-ce que je pourrais glisser une petite anecdote sympathique à propos de l'ouverture de M. Luca quand
Des questions de copyright, vous vous souvenez, si vous êtes du Québec et que vous avez un certain âge, probablement de l'émission des satellites popettes, ou du moins d'en avoir entendu parler. Au début, le capitaine Cosmos, quand il se présentait, disait toujours que la force soit avec toi. Avant de pouvoir faire ça à la télévision, à Télémétropole, à l'époque, au niveau de TVA, c'est ce qu'on disait, on avait eu l'audace d'appeler dans les studios pour savoir si M. Lucas serait d'accord, si on peut dire que la force soit avec toi. Et c'est avec plaisir, semble-t-il, que ce dernier a accepté. Et on peut imaginer que le capitaine Cosmos ne touchait pas à terre. C'est tellement loin de mes jeux vidéo, mais quand même, là, c'est une vidéo de 47 minutes. On peut bien se permettre des petites anecdotes à gauche et à droite, parce que côté contenu, je dois vous avouer que d'une table à l'autre, la base de même demeure la même sur ce que j'ai pu parler du côté technique et visuel. Mais comme vous voyez, d'une table à l'autre, quand même, il y a beaucoup de contenu. Et malgré tout, puisqu'on vient de le voir, je joue uniquement dans le mode classique. Le mode arcade, lui, je ne l'ai pas exploré, mais semble-t-il, me permet de débloquer des petites récompenses au bout de chaque partie. Est-ce que ça amène un plus autre? Je vous avoue que je ne l'ai pas exploré. Ça, c'est pour vous démontrer tout simplement que le jeu, et malgré tout le temps que j'ai pu consacrer à vous en faire la démonstration, je suis persuadé que pour ceux qui sont passionnés de table de pinball, ben vous allez en avoir beaucoup à découvrir. D'ailleurs, c'est pas grave, je ne spoil absolument rien. Au niveau du visuel, tant que vous n'avez pas essayé un casque de réalité virtuelle, vous ne pouvez pas comprendre à quel point la différence est majeure entre le fait de regarder à l'écran tel que je vous le montre en ce moment et le fait d'avoir un casque qui fait que cette table existe d'une certaine manière devant vous dans des proportions qui sont réelles. Et comme il n'y a aucune autre référence pour vous distraire de l'extérieur, on embarque encore plus. Comme quand, par exemple, pour cette table où j'ai joué un bon 9 minutes, je me suis même pas rendu compte du temps qui passait. C'est juste après avoir réalisé, quand j'ai vu la séquence, j'ai dit, tabarouette, je me suis impressionné un petit peu. Après tout, je suis pas un champion, alors laissez-moi vivre vos petites joies à mesure que j'évolue dans le temps. Tout comme dans n'importe quel jeu, n'est-ce pas? Ça fait toujours plaisir de battre ses records personnels. D'ailleurs, je vous parlais de l'apparence des mains de Luke. Comme vous voyez dans cette table qui suit, on a déjà rectifié un peu cette erreur qui est épouvantable. Quoique au niveau de son faciès, pas encore vraiment. On dirait qu'on a mal réussi à vouloir représenter la jeunesse des premiers temps. Ça fonctionne pas du tout. Par contre, je le répète, la table a un très beau visuel. Quand c'est un personnage comme Darth Vader aussi à gauche, c'est un petit peu mieux. Mais si vous avez la chance d'essayer la trilogie de Darth Vader, qui est un jeu d'aventure, pas une aventure comme telle, mais plus une histoire interactive, tant qu'à moi, vous allez voir que on est beaucoup plus convaincu d'avoir Darth Vader devant soi. Au moins, ce qui est bien, c'est que d'avoir repris totalement mes reprises vocales de description et de commentaires au micro par-dessus les tables, ça m'a permis d'être un peu plus loquace, d'être un peu plus structuré dans mes impressions et critiques.
Et qui l'eût cru, moi qui suis déjà quand même une assez grande gueule dans la vie, de pouvoir combler un peu plus les silences qu'il y avait dans la première Je serais version. fort. Alors d'avoir repris, c'est un bien pour un mal, quoique ça m'a demandé une certaine patience, d'autant plus que, comme je vous ai mentionné plus tôt, ben, mon éditeur de vidéo a complètement planté au premier quart complété. Je peux-tu vous dire que maintenant, à chaque fois que je termine un commentaire, je me fais plaisir de faire une sauvegarde, puisque c'est rare quand même que je joue avec des formats qui approchent de 1 heure, ce qui demande peut-être un petit peu de mémoire pour mon pauvre ordinateur, qui pourtant devrait en principe le supporter aisément, puisque c'est pour ça que j'avais changé. À l'époque, ce que j'appelais affectueusement mon ordinosaure. For the last time, Admiral. I am Luke Skywalker, Jedi Knight, and French Captain Solo. Et il ne nous reste que 3 tables à voir. Regardez bien ça. Vous allez dire que je m'acharne un peu sur Luke Skywalker, mais ici, c'est une interprétation très personnelle, mais je trouve que, au point de vue expression, le personnage ressemble plus à, vous savez, Peter Parker dans le deuxième Spider-Man, quand il devient un peu la version dark de lui-même et qui s'en va à la discothèque. On dirait que le faciès, les expressions, ça ressemble plus à Peter Parker qu'à Luke Skywalker. Ce qui va conclure un peu tout ce que j'avais à dire de négatif sur la représentation du personnage. Ceci est dit avec un grain de sel, évidemment. N'empêche que je dois dire que malgré tout, encore là, c'est une table ici qui a beaucoup de petits détails intéressants au niveau du visuel, avec des belles surprises que j'ai pu découvrir lors de mes quelques essais. Et je suis persuadé qu'il y en a encore beaucoup. Et oui, le personnage sur ce genre de cheval mécanique volant fait vraiment le tour de moi-même. Si je me retourne derrière moi, je vais le voir continuer sa rotation ici. All right, hang on. Permettez-moi de mentionner aussi que tout au long de ces séquences où j'ai joué aux jeux vidéo, j'étais bien assis confortablement sur mon Lazy Boy et ça fonctionne vraiment bien pour un jeu de pinball comme ça, parce qu'en ayant les deux mains à côté sur les accoudoirs du Lazy Boy, avec les manettes en main, j'ai l'impression vraiment d'être devant la table alors que les mains seraient à côté de chaque côté de la table où on doit appuyer sur les boutons afin de lancer la balle. Et ça, c'est un côté intéressant qui fait que jouer à ce genre de jeu est plus intéressant peut-être en version assise qu'en version debout, tout simplement. Je suis aussi un peu épaté parfois comment je peux voir la balle retomber bêtement entre mes deux flippers. Où je me dis, mon Dieu, alors que d'autres fois, comme cette partie où j'ai pu jouer pendant 9 minutes, j'avais l'impression d'être plus professionnel, peut-être, osons le dire. Alors voilà, on passe à la deuxième table. Ici, Chewbacca est quand même assez bien rendu. C'est sûr qu'au niveau du poil, ça fonctionne pas, là. C'est très grossier comme graphique, mais malgré tout, c'est ça qui va confirmer encore plus ce que je pense, c'est qu'il n'est plus fidèle à lui-même que Han Solo, qui se trouve à droite, qui, bon, il est pas si mal quand même, si je dois comparer à Luke Skywalker. Et cette table aussi a un beau visuel bien intéressant.
Vraiment, au niveau des tables, comme je le redis, avec cette deuxième reprise, j'ai vraiment changé d'avis après en être revenu un petit peu du décorum autour, comme quoi il y a une multitude de détails qui font que cette table, ces tables en fait, semblent remplies de surprises bien agréables aux mesures qu'on évolue en allant toujours de plus en plus loin. À mesure qu'on peut repousser selon l'ordre des choses, parce qu'il y a des séquences bien précises à établir afin de révéler les secrets de ces tables multiples. On est tellement concentré sur la balle, mais quand je vous parlais de détails, regardez comme dans le fond, là, ce personnage qui se tient comme à un bar, ou encore dans le coin inférieur droit, le personnage qui est assis sur une chaise, le petit C3PO qui est attaché dans des barbelés, c'est un détail plutôt amusant, ça. On a quand même beaucoup de clins d'œil qui respectent bien la personnalité des personnages, des héros dans les films. On a omis tout de même des personnages. Est-ce que c'est une bonne chose? Je remarque par exemple qu'il n'y a aucune présence de Jar Jar Binks, de Jabba the Hutt. We would be honored if you would join us. Et encore une balle perdue. Donc, comme vous voyez, ces petits personnages-là animés, c'est ce qui fait la beauté un peu de ces tables virtuelles qui, bien qu'on sait que ça n'existe quand même pas dans la réalité, nous donne une impression quand même d'un réalisme tout de même surprenant. Une des musiques les plus représentatives pour moi, la musique qui se trouve dans le bar sur une planète. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé cette petite musique qui pourtant est assez moyenne. Question de goût, ça, on peut pas juger. Et on arrive finalement à la toute dernière table. Une partie que j'ai jouée un petit 4 minutes quand même. Table encore là avec un assez riche décorum rempli d'une multitude de détails. Malgré la longueur de la vidéo, je dois vous avouer que j'ai pris grand plaisir à jouer, à faire les tests. Même si j'ai recommencé une couple de fois, ça m'en valait la peine. Je considère que je livre une critique mieux travaillée. Comme je le mentionnais en début de vidéo, j'ai été plutôt fan des premiers films de Star Wars que j'ai vus et même revus quand on aurait fait des versions redigitalisées. On semble tout de même avoir porté attention plus au premier film pour avoir réalisé ce jeu. Il y a des personnages des films plus récents qu'on voit pas dans cette édition, dans ces tables. C'est pas bien grave, après tout, on se le cachera pas, les plus populaires, les plus
plus adulés ont quand même toujours été les chapitres 4, 5 et 6 de Star Wars, soit les films 1, 2, 3. Par la suite, les films ont été intéressants, c'est sûr, mais comme dans la plupart des films, les premiers ou les originaux sont souvent les meilleurs. On parle même pas des reprises. Remarquez, quand je dis ça, on voit quand même la princesse très brièvement, mais si on a mis l'accent surtout sur des références qui datent des premiers films et de films un petit peu plus récents, c'est une bonne chose, malgré qu'il y ait déjà quand même une bonne dizaine de tables pour... on pourrait dire quand même qu'il y a un potentiel pour créer quelques nouvelles tables qui mettraient plus en vedette des films plus récents de la grande saga qu'est Star Wars. Donc, après avoir beaucoup joué quand même avec Star Wars, puisque j'ai fait une reconstruction complète de cette vidéo, je vais corriger la note pour dire finalement que autant Star Wars Pinball et Pinball VR 2, on pourrait dire dans les deux cas que je pourrais leur accorder une note de 8.5. Pour un, c'est plus au niveau des tables que c'est mieux, alors que l'autre met un effort plus sympathique au niveau des animations. Alors voilà, c'était Star Wars Pinball VR. J'espère que ça vous aura plu. Et revenez la semaine prochaine, on va donner une suite avec une autre version de Pinball, mais cette fois-ci sous la sauce épique. Bonne soirée. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou laisser un pouce, un like, afin de donner la chance à d'autres personnes de voir la vidéo. Bye!